j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Trop contente de vous retrouver enfin pour cette vidéo. J'ai refait ma chambre avec mon copain qui m'a pas mal aidé. Ça faisait un petit moment que je voulais changer la couleur des deux murs ici et celui qui est là-bas. La couleur qui est juste ici, c'est un marron glacé. Donc très très contente parce que ça rend exactement comme ce que je voulais. J'ai refait un petit peu la déco, mais franchement, j'ai pas voulu me ruiner pour refaire ma chambre. Je voulais que ça me coûte le moins d'argent possible. J'ai acheté des nouveaux posters et j'ai le petit truc juste ici. De toute façon, je vais tout vous montrer dans la vidéo. J'ai oublié de préciser, mais on a fait les travaux en 3 jours. Donc en fait, on a vraiment commencé le mardi matin et le vendredi soir, c'était fini. Ça change vraiment toute la pièce, je trouve, la couleur des murs. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et c'est parti. Mon copain a déjà enlevé le miroir, il était accroché au mur ici, c'est juste que je pense que je vais en acheter un autre, un peu plus grand. J'irai voir en fin de semaine pour en trouver un. On est en train de tout bouger, j'avais pas du tout réalisé à quel point ma chambre était grande. En fait, vu que j'ai des gros meubles, et bah, on s'en rendait pas compte. Là, c'est les draps pour mettre sous les meubles pour nous aider à soulever. Ça, c'est mon matelas qui est énorme. Et après, mon lit, c'est un lit Ikea. Et du coup, il y a 4 parties, on va enlever les tiroirs pour que ce soit plus facile pour transporter le lit. Je sais pas si on se rend compte, mais la chambre, elle paraît vraiment super grande. Non, non, va pas sur le lit. Non. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Là, il va falloir que j'enlève toute la déco sur mes murs. De toute façon, ça va changer. Vous allez voir, dans la suite, je vais refaire un peu la déco. J'ai gardé mon cadre Prada, les vinyles et bien sûr mon poster Pulp Fiction. Il va être 21h et du coup là on s'attaque à la peinture. Enfin, on va faire la première couche parce que tous les murs ils ont été, enfin il a gratté la couleur bleue. C'est le plus lisse possible. Du coup voilà, il a rebouché aussi des trous qui étaient dans le mur. Ok, on est vendredi et du coup la peinture est finie.
Il a remis les plaintes aussi ce matin. C'était trop satisfaisant d'enlever le scotch à chaque fois. Donc on a fait une sous-couche et il a fait deux couches de peinture. On aurait pu en faire une troisième, mais on voulait que ce soit fini aujourd'hui. J'aime trop la couleur, ça rend trop bien. Là, on va remettre tous les meubles, on va les dépoussiérer et tout avant. Du coup, update, il va être 13h et on a réussi à tout remettre comme c'était. Les LED, je les remettrai avec mon papa, je pense, ce week-end. J'ai rien remis sur les murs parce qu'en fait, je sais pas exactement ce que je vais faire. J'aimerais que ça change un peu d'avant, du coup je pense que mon poster Pulp Fiction, je vais le mettre ici. Et peut-être mettre mon cadre Prada ici, mais je me dis, ça fait deux cadres à côté, donc je suis pas très satisfaite. Je me suis rendu compte en replaçant les boîtes, parce que normalement elles étaient là, qu'en fait je les voulais plus dans ma chambre. Elles me servent juste à stocker plein de trucs. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne du temps pour trier tout ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Et puis ici j'ai pris un truc à trier, ça c'était toutes les photos qui étaient sur les murs. Sachant que je pense que je vais pas en remettre, ou très très peu, sur les murs. Ça aussi c'est encore du bordel, les lierres je sais pas du tout où je vais les mettre. You left me with nothing but agony. I stuck by your side so happily. We needed each other like a flower. I know what is happening. I'm up in the deal with Timothy. Distracting myself, be the remedy. At first I thought that she was sent to me. What's happening? We started off Freddie and Daphne. So good that it felt like a trap to me. The girl on my dream like a fantasy. But we've been caught out in reality. We reached the pinnacle of apathy. It must have been a victim of gravity. Because it declined so rapidly. I thought you was just like a masterpiece. Cause you all I see in my gallery. I should have had a better strategy. Cause I was falling for you naturally. But you've been plotting on me actually. You left me with nothing but agony. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on a fini. J'ai officiellement fini toute ma chambre, j'ai accroché les posters, j'ai trié tous mes vêtements et en fait ils sont tous sur mon lit, tout ce que je dois donner, tout ce que je dois vendre. J'ai tourné la vidéo hier, mais du coup je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort par rapport à celle-là. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Il y a plein de trucs cool de prévus, je fais une vidéo par semaine tous les dimanches à 16h. Oui, du coup je vais vous montrer le résultat final de la chambre. Même s'il y a le bordel sur mon lit, c'est au moins pour que vous ayez une idée de comment ça rend. Sachant que je vais sortir un room tour, je pense dans le mois d'avril. Du coup venez me suivre aussi sur Vinted, je vous mets mon nom d'utilisateur juste ici parce que j'ai énormément de trucs à vendre. Du coup ici j'ai mis des posters, je les ai trouvés sur le site que je vous mets en barre d'infos parce que je me rappelle plus comment il s'appelait, mais du coup trop contente parce que c'est des films que j'adore. J'ai gardé mes LED juste ici et bon, ça c'est tous les vêtements que du coup j'ai à trier, à donner, etc. Ici ma maman, elle m'a trouvé un petit truc comme ça qui me sert de table de chevet. Elle l'a pris à la foire fouille. Donc voilà, trop mignon, c'est en velours comme ça. Là, c'est mes médicaments parce que je suis malade. Les caisses en bois, elles me servaient de table de chevet avant, près de mon lit. J'ai gardé ça aussi, les boîtes, c'est trop pratique pour le rangement. Mais du coup, j'ai tout retrié, etc. pour que ce soit bien rangé. Dans les boîtes aussi, ici, c'est que du rangement. Donc ça, c'est cool. J'ai même noté sur les boîtes ce que c'était. Par exemple, ici, c'est noté... tout ce qui est facture et achat, quand j'achète des trucs mais que je vais les revendre après. Et voilà, ici mon cadre, je l'ai décroché du mur et je l'ai posé, j'ai enlevé ma carte du monde. Ici du coup mon poster Pulp Fiction, il est passé ici. J'ai mis mon petit réveil juste ici, je voulais le fixer au mur mais en fait j'ai la flemme de refaire un trou, vraiment. Je vais laisser le mur, il est très très beau comme ça, je vais le laisser comme ça. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve ça trop trop satisfaisant le avant et après des travaux. Trop contente de ce que ça rend, c'est exactement... En fait ça apaise l'ambiance de la pièce, c'est exactement ce que je recherchais. Ça change tout le mood de la pièce, c'est pas du tout... C'est plus du tout la même chose. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. What's happening? We started off Freddie and Daphne. So good that it felt like a trap to me. The girl on my dream like a fantasy.